Bonjour Nicolas, ça fait plaisir de te voir en vrai. On sort de notre confinement l'un et l'autre, on garde les distances qu'il convient de garder. Mais en tout cas, on s'est retrouvés au cinéma pour faire passer cette vidéo à Laurence d'Azinat, qui d'habitude est à la manœuvre, mais là évidemment elle est chez elle. Et on va lui envoyer via WeTransfer et compagnie, bref, le monde d'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire au cinéma qu'on pense à vous, très cher public. Ô combien, nous, il nous tarde de reprendre l'activité, vous l'imaginez. Et puis, pour ne pas rester comme ça sec pendant cette période de confinement et de fermeture du cinéma, on a décidé de vous proposer une plateforme de VOD qui vous permettent d'accéder à une sélection de films et à garder le contact donc avec votre cinéma. Alors sur cette plateforme qui s'appelle La Toile, vous allez trouver du cinéma pour le jeune public. On imagine aisément que pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, c'est peut-être pas tous les jours facile d'arriver à les occuper gentiment. Et bien là, vous allez trouver une catégorie, une série de films spécialement à leur adresse qui, je pense, devrait vous séduire. À noter Le Voyage dans la Lune, qui est directement inspiré du film de Méliès et quelques petites pépites. Pour les familles également, des films, et puis les plus cinéphiles aussi trouveront des films qui leur seront proposés, des films qui appartiennent à une actualité cinéphile très récente. Alors vous ne découvrirez pas les grands films américains que vous pouvez évidemment trouver très facilement sur plein de plateformes. Non, là c'est une plateforme on va dire plus intime avec votre cinéma, voilà. Écoutez, nous invitons à prendre des risques pour certains d'entre vous, et peut-être vous risquez à découvrir des films qu'on vous propose. Et en tout cas, sachez qu'on n'a qu'une envie, c'est de vous retrouver bien vite au casino, dans les salles. Et en attendant, encore une fois, rendez-vous sur le site Facebook ou sur le site internet du cinéma, et vous allez vous retrouver donc confronté à cette plateforme VOD que nous vous invitons à découvrir. Alors Nicolas, tu vas nous dire très concrètement comment ça se passe quand on accède via internet au site Casino. Donc pour accéder à la plateforme La Toile directement depuis le site du Casino, c'est très simple, vous vous rendez sur www.cinemalecasino-lavelanet.com, c'est notre site officiel. Vous cliquez sur le bouton La Toile, ça vous amène directement sur la plateforme. Là, vous sera proposé environ 20-25 films, entre films documentaires, films art et essai, films famille et également films jeune public. Et la location de ce film est au prix de 3,99€ unique. Voilà, vous avez à peu près 25 films qui sont proposés pour la première semaine. Les films seront changés toutes les semaines avec des nouveautés. Nous agrémenterons également le choix. N'hésitez pas non plus à nous faire remonter vos souhaits, vos remarques, voilà, c'est important pour nous. C'est une sélection qui a été faite en accord avec l'équipe du Casino, en partenariat avec le site de la plateforme La Toile. Voilà, et si vous avez d'autres informations ou commentaires, n'hésitez pas à nous laisser des petits mots sur Facebook, on y répondra avec plaisir. Alors Nicolas, sur La Toile, tu me dis qu'il y a 23 films qui sont proposés. En fait, il y en a plus que ça, non? Alors, vous avez 23 films qui sont proposés, qui font partie de la sélection du cinéma Le Casino à Lavelanet. Mais si vous descendez tout en bas et que vous cliquez sur d'autres films, vous rentrez directement dans le catalogue de la plateforme La Toile et vous découvrez beaucoup plus de choix au niveau des documentaires, des films famille, des films art et essai, mais également des films jeunes publics. Voilà. Super. Donc rendez-vous sur www.cinemalecasino-lavelanet.com. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Et à bientôt au Casino. À bientôt au Casino. Thank you.